Doom, putain. Mais ce jeu, j'ai tellement joué. Mais j'ai pas vraiment joué au turbo, j'ai joué au normal, mais bon. Ouais, moi non plus, c'est quoi la différence? Ah, c'est pas. C'est, t'as si... plus de persos dans oui, Turbo. Oui, c'est ça, ouais. T'as la... Camille, t'as. Non, 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 il me semble que t'as les 4 boss en plus. Moi je pensais que t'avais Camille et Hawk. Non, non, ça, c'est, dans, ça, c'est dans le Alpha. Bonjour! Bonjour, ouais! C'est Street Fighter 2 Turbo, hyper fighting! En fait, PJ il mange, du coup, moi je vais m'amuser à un jeu que j'adore. Ouais. Ah, je peux jouer en normal? Jouer en Turbo en normal, ouais. Moi je joue en normal parce que moi je suis une meuf normale. Ouais, la meuf, ouais. On se dit que t'auras pas. Ah si. Oh oui, oh Vega. Quand j'étais gamine, j'étais amoureuse de Vega. Moi aussi. T'étais amoureuse de Vega? Beau gosse. Non mais il est trop beau. Moi j'étais fan de Chun-Li parce qu'elle avait des belles cuisses. Chun-Li c'était mon perso parce que c'était une fille. Et Vega était trop cool parce que il était un peu féminin et tout, moi j'aimais bien. Ouais. Je trouve que ça faisait cool et puis surtout il avait des griffes. Attends, faut que j'essaie de me rappeler des boutons. Oui, c'est comme ça qu'on faisait. Il se fait copier. T'avais déjà joué toi à Street Fight? Bah oui. Ouais? Bah y'a. Mais même, je suis dans la vie, j'y joue tout le temps. Ouais, la meuf, elle se la pète et tout. Ouais, bah non, j'ai niqué dans le chier pendant les émissions une fois que j'avais fini mon boulot. J'attendais que les invités finissent leur émission et pendant ce temps-là, bah, j'avais ma NES Mini. Ou ma Super NES Mini, il y en avait deux. Super NES Mini plutôt là, ouais. Ouais, non, mais il y avait deux parce que je jouais. Ouais, parce que One Life, ouais. Ouais. Et bah, moi, pendant une heure, je pouvais jouer toute seule et c'était trop bien. La chance. Heureusement que Lola elle a Super NES Mini parce que sinon. Si, Street Fight, je l'ai, mais j'ai le 2 normal sur Super NES. Bah, moi c'était celui-là que j'avais quand j'étais petite. Ah là là, il m'a eu. Le turbo? Non, j'avais le normal, j'avais pas le turbo moi. C'est pour ça que j'ai jamais trop compris, mais en même temps, Street Fighter ça a tout le temps été ça, t'as tout le temps eu 10 000 versions pour le c'est même ça. Jeu. Et je trouve ça ouf en plus parce que genre les gens qui jouent façon pro, ils sont là genre ouais, c'est beaucoup mieux sur telle ou telle plateforme, genre ouais, genre. Bah parce qu'ils sont pro justement, ils voient la différence quoi. Toi tu les vois pas parce que t'es. Bah non, parce que t'es comme moi. Tu fais du button mash et basta. Ouais, je suis plus au stade du button mash. Je fais un peu attention, mais. Non, absolument, moi j'ai juste faire Hadoken et un Tetsumaki c'est Bokaku, basta. Mais moi c'était sur Street Fighter 4, je m'étais amusé à apprendre tout. Tous les contre-combos, les machins. Mais par contre, ça s'oublie à une vitesse. Ah ouais. C'est-à-dire que là, j'ai tout perdu. Hein. Parce que si tu pratiques pas au moins une fois par semaine, et encore je suis gentille, tu perds quoi. Ah, vous me ferez du Street Fight une fois par semaine, s'il vous plaît, mademoiselle. Oh oui, c'est bon de voir. Allez, vas-y, approche. Putain, il bouge pas. Tu l'as mis en mode normal, non? Ouais. Bah voilà. Bah, je vois pas. Normal, ça veut dire qu'il se bat un peu quand même, non? Non, non, il joue sur la défensive. Ah non! Ouh, allez! Voilà! Oh, plaquage! Prends ça, la patriarchie! Bonjour, je suis Chun-Li, je suis une policière et je vais te tuer! Je viens d'Interpol, je vais venger la mort de mon père! Bonjour! Elle dit tout le temps bonjour à la fin de ses phrases. Tu crois que Interpol c'est genre un magasin de sandwich mais international? C'est comme Intermarché mais que de boulangerie. C'est ça. Interpol. On vend du pain. Je voyais plutôt des gens entre deux pôles, tu vois. Ça s'appelle. Ah. Ils savent pas choisir entre pôle Nord et pôle Sud. C'est ça, donc des gens qui sont sur l'équateur, c'est des Interpol. Oh là là. Ouais. Bah ouais. Ah non, je vais me faire défoncer. Non. Je me suis fait riouter la tronche. D'ailleurs, moi j'ai des copines influenceuses qui sont parties en voyage au 00. C'est à l'équateur. Ah, et alors, il y a quoi là-bas? Bah, il y a. Il y a rien, c'est au milieu de la mer. C'est hein. Juste que t'es. C'est dans l'eau? Non, mais c'est une. Je sais pas où c'est. Non, c'est pas une île, c'est sur le. Bah, c'est l'équateur quoi. C'est. Un endroit en fait. 00, c'est-à-dire. La longitude et la latitude, c'est 00. Ouais. Ouais, donc le croisement entre Greenwich et l'équateur. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et. Vas-y, voilà, secoue. Et du coup, ouais. T'as trouvé qui c'est pour ce coup? Et c'était sponsorisé par une marque de bière. Ok. Donc, du coup, elles ont même pas payé leur billet ni rien, mais elles devaient juste faire de la pub pour leur bière. Mais tu sais que moi, genre, quand j'étais gamin, je croyais qu'à cet endroit-là, c'était genre l'endroit où était l'Atlantide. Hein. Ah parce ouais? Parce que je me dis, bah écoute, en même temps. Genre, c'est rien que des Bermudes, sauf que c'est de la terre donc. Mais non, y'a rien! Au 00, ah, si. Ah, je me suis fait niquer. Mais normalement, c'est au milieu de la mer. Non, 00, c'est sur terre. Hein. Mais non, c'est genre dans le creux de l'Afrique. Mais c'est pas dans le creux, c'est pas en Afrique. Mais Greenwich, c'est sur l'Angleterre, là, oui. Qui base. Oui, mais c'est au creux, genre, tu sais, dans le... C'est dans le trou de... Attends, ouais. Attends. Ah bah, moi, je peux te dire que si, hein, parce que ça, quand je l'ai... Je peux t'assurer que j'ai bien rêvé autour quand j'étais gamin. Hein. T'as changé de couleur, là, non? Ouais, je crois que t'as fait un color swap, mais bon, dire que tu seras plus forte parce que t'es rouge. Ouais, c'est comme les voitures, ça va plus vite. Mais tu sais qu'il y avait une étude qui était prouvée que justement les équipes rouges gagnaient souvent plus que les équipes bleues. Bien sûr. Parce que c'est agressif. Parce que le rouge, c'est ça, le rouge pousse à l'agressivité et le bleu pousse au contraire à la. Et c'est pour ça qu'il faut changer les couleurs de temps en temps quand tu fais un match parce que sinon c'est pas équilibré. Et donc c'est un truc qui a été pris vraiment en compte dans les trucs de e-sport, je crois. Et je me demande si ça vaudrait pas le coup du coup de chercher des couleurs neutres.
Est-ce que t'as des couleurs qui, en opposition... Putain, je fais de la merde. Tu vois, Quito, c'est là, c'est l'équateur. Ah, ça doit pile tomber sur un truc, alors. Mais ouais. C'est en Colombie, mais... C'est ah, mais de l'autre côté. Oui. D'accord, moi, je te parle de Greenwich qui passe par la France. Tu sais, genre, qui descend. Non, c'est pas, ah mais c'est pas Greenwich, c'est ça. Un autre truc. Voilà, parce que... voilà. Oh là là, je me fais défoncer. Et comme l'équateur de Greenwich, il passe par la France, forcément, il passe par l'Afrique aussi. Et il passe par la mer qui est en dessous de l'Afrique. Et l'équateur... Ah bah écoute, c'est toi qui as voulu jouer à Street Fighter, hein, tu te démerdes maintenant ma vieille. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais je crois que j'étais meilleure que ça. Tristesse infinie. Ryu, dégage. Vas-y, je vais te sauver. Here comes the new challenger. Wow. Mais qu'est-ce qui se passe? Vas-y. Oh non, Blanca, c'est la triche, tu vas faire bzz, bzz, ouais, bzz. Je vais faire des... Bzz, bzz, bzz. Blanca qui a été élevée par des anguilles. La Blanca de veau. Jacques Chirac l'adore. Comment est votre Blanca? Oh bah, il est épicé. C'est un Blanca brésilien, donc... Mais c'était pas ça son histoire? C'est genre, il a été élevé par des... Non, alors ça, c'est la légende urbaine qu'il a été élevé par des anguilles. Mais par contre, il a été mis en contact avec des anguilles électriques pendant qu'il était plus ou moins radioactif, je sais pas quoi, et ça a fait son électricité. Et paf, ça fait des chocs. Et paf, ça fait des Blancas. Et c'est pour ça qu'il est devenu fan de Claude François. Et qui s'appelle Henri Kozak. Et qui s'appelle Kiki, maintenant. Pas, ne pas confondre avec Kikli, le Pokémon qui donne des coups de pied. Voilà. Kikli dans versus Kikli. Oh putain, il donne juste des coups de pied. Il donne des coups de pied dans le clito. Il est mais vraiment méchant, normalement c'est interdit. Voilà, et toi en face t'es... Non, pas Kito, pas Clito. Non. Pas Kikli. Pas Kikli. Quoi? Ah là là là. Ah yes. Tu vois, ça marche toujours le coup de l'électricité. Putain, mais allez, t'es vraiment un... Je suis un cheater, j'en ai mais rien à foutre. Fils d'électricien, quoi. Bref, genre, c'est la fin justifie les moyens. Non, mais là, c'est bon, j'ai compris comment tu jouais. Je vais plus me faire avoir, mon petit. Mon petit pote. Hi. Allez, viens là, vieille branche. Ah là, je me suis fait enchaîner. Oh, c'est pas bon, ça. Voilà. J'aime beaucoup ce coup de poing qui ressemble vachement à une érection. T'as des érections comme ça, toi? Ah bah oui, moi j'ai des érections fulgurantes comme ça qui... Monsieur, vous souffrez d'érections fulgurantes, on dirait. C'est ça, je suis pris à pic. Pris à pic, ouais. Ah putain, j'ai peur. Oui. Je suis pris. Oh non! Je croyais que t'étais mort. J'ai crié victoire trop vite. Oh, ce retour. Aïe. Ce retour en force. Ah, je suis désolé. Je crois qu'on a niqué les oreilles de tout le monde. Mais je me demande en fait si depuis tout à l'heure le gain est pas trop fort, en fait. Bah, nos pains, nos gains. Je te dis. Bon, ok, je continue, moi j'ai pas peur. Ah bah personne. Voilà. Bah tu gardes, ok. Moi je suis Team Chun-Li. Hein. Moi je voulais changer Blanca, je veux pas Blanca, moi j'aime pas Blanca. Ah mince, tu... Non mais je pouvais pas changer en fait. Ah bon, c'est vrai? Non. Aïe. Oh, ça grave. Chope en l'air. En fait, je voulais prendre Honda. Ah, Honda, il est trop bien avec ses 1000 points là. C'est trop dur. Oh, oui. Oui, oui. Pourquoi je fais allemand? Ah, ya, je m'appelle Honda. Yo, oui. Yatta. Ça, j'adore quand ça. Oh, bordel. Ça, si j'étais une méchante, tu vois, qui des fois se bat contre des gens et je gagne et je ferais ça, tu vois. Je ferais Yatta. Yatta. Mais avec la même voix que Shumi. Et moi, je mettrais Africa derrière. Nanana. Aïe, 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 aïe. Je sais pas chanter. J'adore son petit coup de pied de merde là. Attends, c'était quoi? Attends, c'était quoi? Attends. Ah merde. On dirait qu'il y a une araignée, il assume pas. Genre. Ah, dégage, dégage. Voilà. Moi je t'ai donné un vrai coup de pied. Ah non mais regarde la punition quoi. Ça sert à rien. Ah ouais là, il a juste les mains. Pourquoi? Non. Why? Oh non, je suis faible. Et toi tu peux pas changer du tout. Et si, allez. Ah bah voilà. Ah mais en fait maintenant genre t'as battu Blanca donc genre si tu continues... On fait un Ryuken. Ryuken. Ah bah non j'ai pas le droit de changer. Tu peux pas changer non. D'accord. Et bah je vais prendre Ryunda, il est où? Il est là. C'est en fait celui qui perd qui a le droit de changer. C'est ça. Mais qui là perd, pour le coup... Qui perd change. Oh. Oh oui. Oh nice. Et en plus j'ai pris le personnage parfait pour ça. Moi aussi. J'avoue. Putain mais record battu quoi genre. Voilà. Allez. Bim. 8 secondes même pas. Bim. Ah c'est toi qui as gagné. Ah t'as été plus rapide je pense. Sur quel critère? Je pense que ton coup de... En fait, je pense qu'on a le même rythme, mais que tes points sont plus forts que ah, il y a des chances, ce qui ouais. fait que t'as dégommé ta voiture plus vite.
Voilà. Oui, c'est cool qu'on puisse le faire à deux, ça je savais pas. Enfin, je savais pas non plus. C'est cool. Moi j'aime bien. Moi casser des voitures avec mes amis. Oui, oui. Attends, merde. Oui. Ah oh, oui. Oui. Merde. Oui. Oui. On dit, ça suffit. Oui. Tu es un adulte maintenant. Non, non, oi, 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 oi. Ah, mais. Oi, 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 oi. Ah, désolé, j'ai des grandes jambes. Hein. Je frappe loin. Après Berthe au grand pied, Chouni aux grandes jambes. Hashtag à poil en chaussures. Berthe au brangier. Oui. Excuse-moi, j'ai contrepété. Ah non, mais non. Mmh. Ah, ouais. Ça sent les pépéronis. C'est donc... Les pépés. D'ailleurs, c'était, je sais plus quelle vidéo j'avais vu justement qui parlait du fait que, genre, le. Mine de rien, ouais, la séduction à la française, c'était un truc qui était genre à l'étranger hyper reconnu. Il suffit de regarder juste Pépé le putois, oui, tu vois. Oui, bah c'est dans la dernière vidéo du Zul, je crois. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est donc ça. Mais ouais. Oui, mais tu rigoles, mais les étrangers, en tout cas les Américains ont cette vision. Parce que quand moi je suis allée aux États-Unis. Ah oui, c'est Pépé the Pew. Pépé the Pew. Surtout le mec disait, non mais vous avez franchement un niveau de séduction bien supérieur à nous, vous êtes un petit peu vrais et tout. Et moi je lui ai dit, non, ça s'appelle du harcèlement en fait. mais pour lui, non, c'était vraiment la drague à la française. Et oui, parce que justement, en France, on se reconnaît comme étant le pays ultra séducteur, mais genre, séducteur, dans quel sens, tu vois, genre c'est... Eh, hey, salut madame, je te mets une main aux fesses, c'est très la séduction. Ok, là c'est très le perfect surtout. Ah non, elle a pas fait. Mais... Perfect. C'est la première fois. Non, c'est pas vrai. Alors, c'était magique ? Non. On dit toujours que la première fois, c'est génial, mais finalement... Finalement. Allez, vas-y, je vais changer de perso. Here comes the new challenge ! Ah, oh, quoi que... Ah, mais tu vois, je peux plus les prendre. Ah si, je peux les prendre. Vas-y, je vais m'asseoir, je vais marcher sur ta non, tête. Non, ne marche pas sur ma tête. Je viens de faire ma coiffure, t'as vu comment c'est super bien fait ? C'est vrai que c'est joli. Bah oui. C'est joli. C'est joli. Tiger, disons, ça suffit. Arrête de marcher sur la tête des gens. Non! C'était dans le sketch de Golden Show. Oui, c'est le Golden Show, ouais. Justement, où c'était Chouni qui. Mais arrête pas de marcher sur la tête des gens! Non, c'est... Mais Ryu, il pense qu'à ce combat tout le temps! T'avais dit qu'on allait faire les commissions! Et que tu passes ton temps à faire des boules de feu! En fait, on va faire des boules de feu dans le jardin! Et regarde, c'est mon ami Ken, ça va! Oh, mais Ken, il parlait pas! C'est pour ça qu'à la fin, Blanca, il est fan de Claude François. Oui, c'est vrai! C'était Caradoc en plus. Bah oui! Blanca. Oui, c'était Caradoc. Ne pleure quand tu n'es pas là. Je suis vraiment mauvais à Street Fight, c'est un truc de dingue. Hein. C'est une question d'entraînement. Je fais que mâcher le button en fait, tu vois. Mais regarde, moi je suis doué contre toi, mais contre l'ordi. Je chiale. Je chiale. Ah, je chiale. Je chiale, putain. Non. Ah bon, oh la tronche, je suis désolée. Oh putain. Désolée, Bison. C'est dur, c'est très dur pour lui. Bon, les derniers matchs. Bah Bison, il est pas très futé. Tarantin. Allez, dernier combat. Ah, voilà. Contre Vega, mon point faible, c'est qu'il est beaucoup trop beau. Ouais. Bon, allez, concentre-toi. Ne regarde pas à quel point son petit pantalon est serré. Et ses petits muscles, oh là là. Et surtout, ah mais là je suis pas dans mon niveau, mais si j'étais sur mon niveau, genre je pourrais faire... Ah ouais, tu peux grimper. Oui, oui. Oh là là. Ouh là là, ouh là là, je me fais... Mais... Oula. 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 C'est bon. Ah. Non mais... Non mais... Ouh. Non mais... Ah. Petit pied. Oh, wow, le dinosaure, il a perdu sa mère. Ça me fait trop bader. C'est sa grand-mère en plus. Ah oui. Ouais. Ah ça va alors. Ouais. Non. Ah, bah, c'est plus... Enfin... C'est plus normal, merde. Bah désolé pour toutes les grand-mères, mais c'est normal que vous mouriez avant les mères. RPZ pour toutes les grand-mères. Toutes les grand-mères. Représente Tipiak, aïe. Aïe. Pas tous des pirates, non. Génération pirate. Génération pirate, non. Génération point 3. Salut, moi c'est Strass. C'est la contrefaçon de Diams. Ouais, on déconne, ouais. Allez. Ouais. Non. C'est pas Street Fighter qui m'a dicté mes codes, non. C'est pas mon père qui m'a dicté mes codes, non. J'avais pas le droit de sortir après minuit. Non. Ni d'avoir mon compte épargne à moi. Ça, c'est bien triste. Mais ouais. Mais bon, en même temps, si t'as pas 18 ans, c'est normal. Bah non, mais si t'es une femme, de toute façon, 70, t'avais pas... Ça... C'était à quel partir de quel moment où les femmes avaient le droit d'avoir leur propre compte en banque ? C'est dans les années 60 ou 70, je sais plus. Un truc dans le genre. Ouais. Mais je sais plus quand est-ce que c'était que t'avais le droit. Ou German suplex. Toute seule ou si ton mari te laissait l'autorisation. C'est ça en fait, c'est qu'il y a eu deux étapes.
Il y a une époque où vous n'avez pas le droit du tout, puis après avec votre... Oh, c'est mieux arrive... quand même. Faut dire, les bonnes femmes, elles savent pas gérer l'argent. Mais tu l'as vu d'ailleurs justement, dernière vidéo d'Usul sur le féminisme et sur le fait que les femmes sont volontairement rabaissées au niveau, au niveau des richesses, ouais, pour pouvoir être contrôlées par les hommes. Parce que mine de rien, c'est fou l'analyse, j'ai trouvé ça magnifique. Eh ben c'est le patriarcat. Oui, Y a pas de nouvelles. Hein. Y a pas de secret, mon petit gros. J'espère que vous avez apprécié Chun-Li qui botte des culs de garçon, du coup. C'est pour contrebalancer l'injustice sociale. Un bel épisode, moi j'aime beaucoup. Et ben sur ces belles paroles, on vous dit à demain sur autre chose. Ouais, genre sur un canapé, une chaise, un fauteuil, ça dépend depuis où les gens nous regardent au final. Oui, voilà. Sur dans votre siège lit, de métro. Aux toilettes. Oh, regardez, on sur peut faire encore. Ah oui. Yeah, sur la tête des gens, bah oui, si vous êtes bison. Bah bien sûr, et s'il vous plaît, j'espère que vous écoutez les alcooliques quand vous êtes aux chiottes. S'il vous plaît, je vous en supplie, dites-le nous. Si jamais vous... C'est un caca un peu long, hein. Écoute, un caca d'à peu près 10 minutes. Non, mais c'est parce que c'est pour l'association, un let's play un caca. C'est ça, une belle bête. Ah oui. C'est pour l'association, un let's play un caca. Ouais. Un caca, un let's play. Voilà, donc sur ces belles paroles, on vous dit à demain sur autre chose, et notamment les toilettes. Bisous. Et si vous cassez les voitures, faites-le avec un ami.